Bonjour. Regarde la caméra. D'abord en lingala. En lingala français. Il y a là-bas lingala, mais il y a encore la kini. Ah, ok. D'abord, on va juste commencer. Oui, oui, oui. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Je peux regarder la caméra? Oui, regarde la caméra. Bonjour. Non, c'est Sarah. Parle un peu fort, Sarah. Bonjour, mon nom c'est Sarah. Sarah est mon père. Ok, Sarah, quelle est votre impression aujourd'hui après 20 ans? Votre papa est enfin libre. Je suis très contente, comme toutes les personnes que vous voyez ici. Je remercie Dieu pour l'occasion qu'on a aujourd'hui de revoir notre grand-père. Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui nous ont assistés. Nous sommes contents. Ok, si on pourrait vous demander comment vous avez passé ces 20 ans sans la présence physique de votre père. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des beaux moments, mais il y a aussi des moments difficiles. Mais grâce à Dieu, grâce à la famille, grâce à nos amis et à toutes les personnes qui nous ont entourés, on a pu s'en sortir jusqu'à ce moment. Votre maman, durant tous ces temps, elle a pu quand même prendre votre responsabilité comme il faut. Oui, notre mère a fait tout ce qu'elle pouvait en tant que mère, comme toutes les mères, pour prendre soin de ses enfants. Je crois que vous êtes parmi l'aîné de la famille, je ne sais pas. Notre famille est ce qu'elle est, nos enfants sont ce qu'ils sont, mais aujourd'hui l'essentiel c'est qu'on est ensemble avec tout le monde et on est reconnaissant. Un mot pour le chef de l'État, mais aussi si vous pouvez lancer un message à l'ancien régime. Un mot pour le chef de l'État, c'est merci. Merci pour l'occasion qu'il nous donne aujourd'hui de revoir notre père. C'est notre famille qui se réunit à nouveau et nous sommes très reconnus pour cela. Et pour le reste, je dis merci aussi à tout le monde, à toutes les personnes qui nous connaissent, qui ne nous connaissent pas. C'est la joie qui déborde. On est content envers tout le monde. Un peu ce que tu disais, Nicolas. Lélo, tu sais plus lire, parce que pour moi, il y a un bisou au Azala qui n'a pas le droit à Bini. Pour moi, il y a après Mikolo et Bélé. Est-ce que c'est vrai qu'il pense pour Nabino facile qu'au vivre 20 ans d'absence à papa Nabino, est-ce que vous comprenez quand même la prison centrale ou comment ça a été, si vous pouvez nous le dire? Et c'est là qu'il facilite, parce que la famille nous sort, il faut papa à Sala. Mais nous avons passionné, nous avons passionné. Tout le monde a qui papa, quand nous avons un colloque, ça va bien. Il y a un monde essentiel. Que m'a-t-on dit, Sarah? M'a-t-on dit. Très gentil, courage. Courage, Sarah. Merci d'avoir répondu. Sarah, papa. Donc là, nous venons de parler ou d'interviewer Sarah Capen. Sarah? Pardon, je sais, c'est hors caméra, vous êtes concerné de la famille, si on peut avoir. Moi, je trouve que c'est vraiment interne à la famille. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.